Allez, bonjour tout le monde, fais coucou à tout le monde. Là, là, à la caméra, non, fais coucou à la caméra, bébé, oh, fais coucou à la caméra, non, tu veux pas? Ah, tu veux gros nounours? Excuse-moi, tiens, la gros nounours. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, hein, les amis. Bon, je suis désolé pour la semaine dernière, hein. Beaucoup beaucoup de choses. J'ai pas pu faire la vidéo d'explication de cartes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer deux cartes. Toujours l'oracle G. Je remercie encore et encore. Ça m'a énormément touché son geste qu'il a eu. Quelqu'un qui va se reconnaître, qui nous a envoyé une petite carte la semaine dernière avec du muguet dessus. Comme je dis, je ne sais pas comment je pourrais le remercier, tellement ça m'a touché. Son geste. C'est rare de voir des personnes comme ça, quoi. Et voilà, je pourrais jamais le remercier autant. Alors aujourd'hui, bah pareil, on va prendre deux cartes au hasard. Hein. Une qui ne me plaît absolument pas dans le jeu, dans l'oracle G. On va commencer par celle-là. C'est la numéro 58 qui représente une croix et deux lames de faucille. Alors celle-là, elle a qu'un sens. Parce que vous voyez, il n'y a pas de numéro en bas. Donc obligatoirement, la carte est dans ce sens-là. C'est une carte pour moi qui indique un danger. Ou voilà, qui explique attention, il y a danger, attention, il y a des menaces, il y a la fin de quelque chose. Ça peut correspondre un petit peu, cette carte-là, si on prend par rapport aussi à le tarot de Marseille, elle pourrait représenter la mort. C'est-à-dire la fin d'un cycle. Après, voir la carte qui suit par rapport à ce qu'il y a. Mais ça, comme ça, c'est la mort d'un cycle ou la mort de quelqu'un, ça dépend. Bon, en général, on l'annonce pas, hein, la mort de quelqu'un, on évite. Donc ça, c'est une carte, voilà. La deuxième est un peu mieux quand même. Elle représente un avion et un bateau. Alors, suivant les cartes qui sont autour, c'est toujours pareil, on est toujours sur le même point de vue, les cartes qui sont autour. Ça peut signaler un voyage, par exemple, ou un déménagement, partir, l'envie de partir quelque part, et s'éloigner d'où on est pour X raisons. Voilà, ça c'est l'explication des deux cartes d'aujourd'hui. J'ai essayé de faire deux cartes aussi la semaine prochaine. Alors je vous rappelle que le site est ouvert cet après-midi, bah, il est même ouvert depuis 14 h. Bon là ça va être un petit peu blocage parce que quand je vais mettre la vidéo en ligne, ça va nous embêter un petit peu. Pas grave. Venez plutôt vers 15 h, vous serez sûr de nous avoir. Donc n'hésitez pas à venir faire notre connaissance sur le site. J'espère que vous allez passer des bons week-ends fériés. Hein, c'est des week-ends de 4 jours, donc bah, profitez du beau temps si vous avez du beau temps. 1er mai et 8 mai, nous serons fermés. Sauf vraiment cas d'urgence, mais on sera fermés normalement. N'oubliez pas la petite boutique de Virginie, faitésotérisme.com. Vous allez trouver tous les produits intéressants, etc., etc. Sur ce, bah peut-être à tout à l'heure sur le site Cabinet Medium.